Donc, un grand bonsoir à toutes et à tous de ma part, Naji Aboud. Je suis en direct du Liban et j'espère passer une bonne soirée avec vous. Premièrement, un grand merci à Kamal Ben Mansour et à Rachid Saïd pour leur invitation. Et bien sûr, un grand remerciement au groupe Tawassul, des médecins dentistes. Donc, comme le titre l'indique, on va parler de la gestion des échecs catastrophiques des implants dentaires et des greffes osseuses. Donc, avant de parler des critères d'échec, des échecs, on va parler des critères de succès d'un implant dentaire ou d'un traitement implantaire pour pouvoir comparer où sont les échecs et où sont les succès. Donc, le premier critère de succès, c'est la fonction. La fonction de pouvoir mastiquer des aliments et la fonction pour une stabilisation occlusale et une guidance. Donc, il faut bien diviser les implants. Il faut, en général, c'est ce que moi je fais, toujours quand je dois remplacer par des implants, je remplace toutes les dents manquantes jusqu'à la deuxième molaire. Okay? Les parties postérieures, je remplace chaque dent manquante par un implant et dans les régions antérieures, bien sûr qu'il faut mettre des pontiques. Donc, aussi dans la fonction, il y a la division des implants et leur localisation dans tous les plans de la bouche. Il y a le plan occlusal, le plan vestibulaire et le plan apico-coronaire. Donc, comme vous voyez, chez ce patient, on a pu mettre les couronnes partout dans sa bouche. Donc, on a mis quatre implants du côté mandibulaire droite et on a mis trois implants du côté mandibulaire gauche. Bien sûr, aussi, il faut prendre en considération le parallélisme des implants, ce qui va nous aider dans la réalisation des prothèses et dans l'empreinte, bien sûr. Aussi, quelque chose de très important, c'est le profil d'émergence des couronnes. Il faut que le profil d'émergence soit toujours adapté à la dent en question. C'est-à-dire, quand c'est une molaire, le profil d'émergence doit être large, quand c'est une prémolaire, un petit peu plus petit, etc. Donc, quels sont les critères de succès d'un implant dentaire? Première, aussi, il y a l'esthétique. Donc, l'implant dentaire doit ressembler au plus naturellement, ça doit ressembler à une dent naturelle. Comme dans ce cas-là, par exemple, on a une centrale supérieure gauche, et c'est un des cas les plus difficiles de remplacer une centrale antérieure, surtout chez un patient, par exemple, qui a un sourire gingival. Donc, dans ce cas-là, on devait remplacer une incisive centrale supérieure manquante. Bien sûr, avant de faire la chirurgie, on doit prendre toutes les radios possibles, que ce soit des rétro-alvéolaires, parfois des panoramiques pour les dents mandibulaires, ou que ce soit des 3D, des CBCT. Donc, comme vous voyez, on a pu remplacer avec succès la dent manquante avec un implant qui, normalement, au sourire de la patiente, ça ne diffère en aucun cas d'une dent naturelle. Ça, c'est un autre cas, un petit peu plus difficile, où on a deux centrales manquantes. Okay? Donc, chez un patient qui a eu un accident, donc à la radio, on peut voir que les racines sont toujours là, elles sont cassées dedans, donc la 11 et la 21. Donc, notre plan de traitement était de faire en même temps l'extraction, de mettre les implants
et de faire une greffe osseuse, surtout en vestibulaire des implants, parce que les implants doivent être posés dans une position plus ou moins palatine, moins de 2 mm, disons un petit ça doit être loin de la crête vestibulaire de 2 mm, et on doit combler bien sûr avec une greffe osseuse, probablement c'est de l'os bovin, que je mélange un petit peu avec l'os collecté du filtre lors du forage. Et en plus de ça, on a pu faire aussi une petite greffe de gencive au niveau du lambeau vestibulaire. Donc, vous voyez à la radio les deux implants, ils sont plus ou moins en très bonne position. Pourquoi? Et surtout quand on met des implants antérieurs, surtout au niveau du maxillaire supérieur, il faut un positionnement 3D. Pourquoi un positionnement 3D? Parce que le positionnement mésiodistal doit être parfait. Le positionnement vestibulo-lingual doit être parfait et apico-coronaire de même. Donc, dans le positionnement mésiodistal, les implants doivent être distants de au moins 3,5 mm, de 3,5 mm et demi. Les implants doivent être distants des dents adjacentes d'au moins de 1,5 mm et demi. Ça, c'est dans le plan mésiodistal. Dans le plan vestibulo-lingual, comme je vous ai dit, les implants doivent être distants de la crête vestibulaire de 2 mm. Et dans le plan apico-coronaire, la plateforme des implants doit être à 3 mm du collet des dents adjacentes. Donc, avec un positionnement 3D, avec une bonne greffe osseuse, avec une bonne greffe de gencive, on a pu plus ou moins obtenir une bonne fonction et une bonne esthétique chez ce patient. Donc, comme vous pouvez voir, on a pu recréer des papilles qui ressemblent très bien aux papilles avoisinantes. Et dans la prothèse, bien sûr que le dentiste qui a fait la prothèse, parce que moi je fais la chirurgie seulement, donc le dentiste qui a fait la prothèse, il a pu vraiment avoir un très bon résultat. Aussi, comme critère de succès des implants dentaires, c'est surtout le pronostic à long terme. Donc, quand on met des implants, combien ça doit rester en bouche en bonne santé, en bonne fonction et en bonne esthétique? Est-ce que c'est 10 ans? Est-ce que c'est 15 ans? Est-ce que c'est 25 ans? Est-ce que c'est plus? Premièrement, pour avoir un bon pronostic à long terme, ce qui est très important, c'est les bonnes interactions, et va avoir de bonnes interactions avec un parodonte en bonne santé. OK? Quand il y a de bonnes interactions avec un parodonte de bonne santé, on peut espérer un pronostic à long terme, mais peut-être beaucoup plus que 25. Ça, c'est une patiente à qui j'ai mis des implants au niveau des latérales. Elle avait des agénésies des latérales. Et cette photo, elle a été prise 15 ans après la mise en place des implants. C'était juste pour contrôler cette patiente. Et comme vous pouvez le voir, juste par examen clinique, on peut voir une très bonne adaptation des implants et des couronnes sur implants au niveau des tissus avoisinants. On peut voir que les papilles sont complètes. Il n'y a aucune coloration au niveau de la gencive et la patiente ne se plaint de rien. Donc, on peut dire que c'est un succès même 15 ans plus tard. Donc, maintenant, on va commencer par parler des échecs. Il y a les échecs de début. Il y a les échecs précoces, les échecs avancés et les échecs terminaux. Quelle est la différence? Quand on parle d'un échec de début, c'est un échec qu'on a juste au moment de la mise en place de l'implant, qui est causé probablement par une faute dans l'ostéotomie. Donc, on fait une ostéotomie et cette ostéotomie, elle n'est pas plus ou moins adaptée à la forme de l'implant, elle est plus ou moins ovalaire. Donc, l'implant n'a pas de stabilité primaire et dans ce cas-là, on n'a pas pu mettre l'implant. Donc, ça, c'est un échec de début. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Soit on remplace l'implant par un implant un peu plus large pour pouvoir stabiliser l'implant, soit un implant un petit peu plus long. Et si ces deux possibilités n'existent pas, donc, on doit enlever l'implant qui est mobile et retourner à la chirurgie 3 mois plus tard et remettre l'implant à la place, mais avec un bon forage, bien sûr. Quand on parle d'un échec précoce, c'est un échec qui se passe lors de
Après la mise en place des vis de cicatrisation, surtout après la mise en place des implants aussi, dans les mois qui suivent, dans les semaines qui suivent. Donc le patient nous dit que normalement il sent une petite douleur et il croit qu'il y a un implant qui bouge. Donc on teste l'implant, l'implant bouge. Donc ça c'est un échec, il faut enlever l'implant et remettre un autre. Donc ça c'est un cas plus ou moins précoce. C'est une patiente qui m'a consulté. Elle a déjà mis des implants chez un autre dentiste et elle m'a dit que je crois qu'il y a quelque chose qui cloche, qui ne va pas. Je lui ai dit pourquoi. Elle m'a dit que quand on lui a mis l'implant au niveau de la 12, au moment où on mettait l'implant, à la fin, quand la chirurgie a été terminée, elle a vu que la dent numéro, pardon, c'était l'implant numéro 22. Donc, à la fin de la chirurgie, elle a vu que la dent numéro 21 était en extrusion, donc elle était plus longue que la dent à côté et c'était pas le cas avant la chirurgie. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On peut voir dans ce cas-là que oui, elle avait de l'orthodontie, mais les espaces pour mettre les implants n'étaient pas suffisants pour mettre des implants. L'orthodontiste n'a pas ouvert des espaces qui sont assez bien et les racines ne sont pas bien angulées. Comme vous pouvez voir, la 13. La racine de la 13, elle est très proche de la racine de la 11. La racine de la 21, elle est très proche de la racine de la 23. Donc, il n'y a pas possibilité de mettre des implants. Il ne faut pas insister. Donc, ce dentiste-là, il a insisté à mettre des implants. Quand il était en train de mettre l'implant sur la dent numéro 22, donc l'implant, il a accroché la racine de la 21. Et quand l'implant, il rentrait dedans, il était en train de dévisser la dent numéro 21 et la dent numéro 21, elle sortait. Donc, comme vous voyez à la radio, l'apex de la 21, il est plus court de 3 mm de l'apex de la 11. Et en plus de ça, il y a eu une mortification et un traitement endodontique. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, il faut enlever les implants parce qu'ils sont pas ostéo-intégrés ou peut-être ostéo-intégrés partiellement. Il faut enlever les implants. Il faut ouvrir les espaces, anguler les racines comme il faut et remettre des implants ou sinon il faut faire des bridges. Ça, c'est aussi un autre cas. La patiente est venue me consulter dans cette situation. Vous pouvez voir un implant au niveau de la 35 qui est très distal. Donc, la position n'est pas bien. Il n'y a pas possibilité de faire une prothèse sur cet implant-là parce que premièrement, c'est très difficile de pouvoir prendre l'empreinte quand ça touche la dent numéro 36. Et même si on réussit à faire une couronne, on aurait un cantilever mésial très long et on aurait une impaction alimentaire. Et bien sûr, on aurait des problèmes de périimplantite après. Au niveau de la dent numéro 45, c'est le même cas. Elle est très distale. Donc, il faut enlever les deux implants et remettre d'autres implants après. Quand on parle d'un échec avancé, c'est un échec qui se fait, qui se passe lors du trocage du pilier. Donc, on a pris l'empreinte, on fait les essayages, et quand on veut mettre le pilier définitivement, on veut torquer le pilier, à ce moment-là, l'implant bouge ou il tourne. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Si l'implant tourne et il est toujours stable, on laisse l'implant sans le toucher, on remet la vis de cicatrisation. On laisse l'implant sans le toucher pour 3 mois. L'ostéo-intégration revient. L'implant est de nouveau ostéo-intégré et on refait la couronne de nouveau. Si après cet accident, l'implant, il est en mouvement mésiodistal ou vestibulolingual, donc il n'est pas stable, il faut enlever l'implant et remettre un autre, bien sûr. Donc, quand on parle d'un échec terminal, c'est un échec qui se passe bien après la mise en place des couronnes et des prothèses définitives. Et ça, et là, ici, ce sont les cas les plus difficiles à traiter. Donc, quand on parle du traitement des échecs terminaux, il y a plusieurs étapes. Donc, il faut commencer par l'ablation des implants existants avec les couronnes. Il faut faire des greffes osseuses. Il faut mettre en place de nouveaux implants avec parfois des greffes de gencives. Il faut un deuxième plan chirurgical parce qu'on a fait une greffe de gencive. Et bien sûr, il faut faire de nouvelles couronnes sur un plan. Donc, quel est le mauvais côté du traitement?
Le mauvais côté du traitement, premièrement, c'est un effet psychologique dur sur les patients parce que c'est pas facile de dire au patient, lui qui a subi plusieurs chirurgies, qui a investi beaucoup d'argent dans ce traitement, donc c'est pas très facile de lui dire qu'il faut refaire tout. Il faut pas refaire tout de la même manière, il faut revenir bien en arrière parce que maintenant, à cause du mauvais traitement implantaire, il y a plus d'os, donc il faut recréer l'os et puis refaire le traitement. C'est un traitement traumatique parce qu'il y a plusieurs chirurgies à faire. Donc, il y a plusieurs chirurgies. C'est un traitement de longue durée parce qu'il faut faire chaque étape seul. Dans la plupart du temps, le patient restait sans prothèse provisoire. Et de toute façon, même si tout ça réussit avec nous, le résultat esthétique, il est un petit peu douteux et on peut jamais espérer le même résultat esthétique que si le traitement a été fait de la bonne manière dès le début. Donc, quand on parle de durée du traitement, on peut dire que lors de la première chirurgie, il faut enlever les implants et faire un curetage. Il faut attendre 1 mois et demi avant de faire la deuxième chirurgie pour pouvoir avoir une bonne cicatrisation des tissus mous et pouvoir espérer une fermeture hermétique lors de la greffe osseuse. Donc, la greffe osseuse se fait après 1 mois et demi. Dans la troisième chirurgie, la mise en place des nouveaux implants, c'est au moins après 6 mois et en général, c'est après 8 mois ou après 9 mois ou parfois plus. Donc, la quatrième chirurgie, c'est le deuxième temps chirurgical, 2 à 3 mois après. Et puis, il y a l'empreinte pour les nouvelles couronnes et sur les implants, donc 1,5 mois, la mise en place de nouvelles couronnes sur implants. Donc, la durée du traitement, je dirais même plus que 12 à 13 mois, je dirais 12 à 18 mois parfois. Donc, on va commencer par ce premier cas. C'est un homme de 70 ans qui est venu me consulter. Ça, c'est un cas qui date de plus de 15 ans. Donc, il est venu de me consulter. Il m'a dit que lui, il a fait des implants plus ou moins partout dans sa bouche, mais qu'il sent maintenant qu'il a des infections et il a des douleurs plus ou moins pas très importantes, mais il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ça, c'est une vue intraorale. On peut voir que la situation de la gencive, elle n'indique pas une bonne santé gingivale. Il y a des inflammations gingivales plus ou moins distribuées en haut et en bas. Ça, c'est une vue latérale. Et quand on voit les radios, excusez la panoramique, elle est très ancienne. Vous pouvez voir mieux avec les rétroalvéolaires. Donc, regardez quelles sont les fautes graves que le dentiste a faites pour ce patient. Premièrement, pour remplacer la dent numéro 16, le dentiste a choisi de mettre 2 implants à la place. Donc, je ne sais pas, bon, il voulait remplacer chaque racine par un implant. Donc, peut-être il fallait mettre 3 et pas seulement 2. Donc là, c'est une faute grave parce que c'est très difficile de nettoyer quand les implants sont très proches comme ça. Et bien sûr que ça va créer une péri-implantite. Donc, l'implant numéro 12 et l'implant numéro 22 étaient jumelés avec des dents naturelles, avec des longs bridges. Donc, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Donc, à cause de ça, on a eu des pertes osseuses très, très importantes au niveau des implants 12 et 22. Tandis que les implants du côté gauche, vous pouvez voir que les implants au niveau de 15 et de... Au niveau de 15 et 16, elles étaient plus ou moins dans le sinus, il n'y avait pas d'os. Quand on regarde un petit peu à la mandibule, on voit qu'il y a une maladie parodontale qui n'a pas été traitée sur les dents existantes. On voit des pertes osseuses angulaires, surtout au niveau de 34, et une perte osseuse horizontale au niveau des dents antérieures. En bas à droite, il a 2 implants où il n'y a pas de perte osseuse, mais comme on peut voir, le profil d'émergence que le dentiste a créé pour ce patient n'est pas très valable pour une bonne hygiène et un bon pronostic pour après. Donc, c'était quoi le plan de traitement? Donc, en premier lieu, il fallait enlever le tout, surtout le haut. Il fallait enlever tous les implants du haut et les dents du haut parce que rien n'était valable. Donc, on a enlevé le tout. Et en même temps, ce patient, il a subi un traitement parodontal actif pour les dents existantes, donc plusieurs séances de détartrage profond, de
surfaçage et de curetage et des lambeaux parodontaux. Donc, on a enlevé les couronnes sur les dents numéro 46 et 47. On a remplacé par des provisoires bien adaptés. Donc, la chirurgie numéro 2 a été faite après 3 mois et demi. En même temps, on a posé plusieurs implants et on a fait une élévation de sinus du côté gauche et droite. OK? Donc, tout a été fait. On a mis donc les vis de couverture et non pas la vis de cicatrisation parce que le patient il avait une prothèse amovible et on ne voulait pas que la prothèse amovible touchait les vis de cicatrisation pendant la période de cicatrisation. Donc on a mis les implants et la chirurgie numéro 3, donc on a fait une extraction de la dent numéro 17. La dent numéro 17, je l'ai laissée provisoirement pour pouvoir premièrement soutenir la prothèse amovible qui était beaucoup plus stable avec une dent, avec un crochet sur cette dent. En deuxième lieu, elle nous a été utile pour stabiliser un guide chirurgical pour pouvoir bien positionner les implants. Donc, on a extrait la dent numéro 17, on a mis un implant au niveau de 37, et on a donc la chirurgie numéro 4, on a mis un implant au niveau de 17, et on a fait un deuxième temps chirurgical sur les autres implants. Donc, on est maintenant à 9 mois et demi. L'empreinte sur implant a été faite après 11 mois et demi. La mise en place des couronnes finales a été faite après 12 mois et demi. Donc, ce sont les couronnes finales. Et comme vous pouvez voir, toujours quand on est en train de préparer un échec implantaire, le résultat esthétique plus ou moins n'est pas excellent parce que la perte des tissus, elle est assez importante. Donc, ce qui est important ici, c'est de rendre la fonction à ce patient. Heureusement que ce patient n'a pas un sourire gingival, donc on n'a pas de problème ni de souci. Ça, c'est le contrôle radiologique après la fin du traitement. Comme vous pouvez voir, la radio de gauche, c'était avant, la radio de droite, c'est après. Pour le maxillaire supérieur, on a divisé toutes les couronnes en 3 bridges. C'est ce que je préfère de faire. Donc, un bridge supérieur 3, un bridge supérieur antérieur et un autre bridge en haut à gauche. Quand on regarde les dents d'en bas, au niveau de 46 et 47, vous pouvez voir la différence du profil d'émergence qu'on a créé sur ces implants pour que ce patient puisse nettoyer et avoir un bon pronostic. Aussi, on a enlevé le cantilever sur la dent numéro 37 et on a remplacé par un implant. J'ai vu ce patient il y a quelques mois, donc 15 mois plus 15 ans plus tard, et tout est toujours stable. Donc le traitement a pris 13 mois et on a eu besoin de 4 chirurgies. Dans un article par Grossman dans le journal de Paro, Journal of Perio, en 2007, il a dit que le remplacement d'un implant d'un échec implantaire, d'un implant qui ne marche pas par un autre implant, c'est un challenge parce que c'est un petit peu plus difficile d'obtenir une ostéo-intégration dans un site qui est déjà cicatrisé. Donc c'est un petit peu plus difficile. Et il a même suggéré que le taux de succès des implants remplaçant d'autres implants était aux alentours de 71%. Personnellement, d'après mon expérience, j'ai beaucoup plus de cas de survie, beaucoup plus que 71%, bien sûr, si on suit les choses comme il faut. Ça, c'est un autre cas de mal positionnement mésodistal. Donc, dans ce cas-là aussi, il n'y a rien à faire autre que enlever l'implant et remettre un autre dans une position beaucoup plus centrale pour avoir un bon profil d'émergence et une bonne couronne. Ça, c'est un autre cas. C'est une patiente qui est venue me consulter avec 4 implants déjà placés dans la région antéro-supérieure. Comme vous voyez, donc le dentiste, il a choisi de remplacer les quatre incisives par 4 implants. La position des implants n'était pas valable. On peut pas remplacer les 4 incisives par 4 implants. C'est pas joli, c'est pas esthétique et on n'en a pas besoin de tous ces implants. Donc, dans ce cas-là, c'est quoi le traitement? On doit enlever 2 implants et laisser 2. Mon choix, c'était d'enlever l'implant sur 12
et 21 et de laisser les implants sur 11 et 22. Parce que ce 11 et 22, c'est des implants que je connais, les autres, je ne connais pas. Donc, j'enlève les implants que je connais pas et on remplace avec un bridge sur les implants qu'on connaît. Ça, c'est un autre cas d'une malposition mésiodistale, bien sûr, et avec une infection. Ce patient, il est venu me consulter parce qu'il avait une infection, il y avait du pus qui sortait de cette région-là. Donc, comme vous voyez, le dentiste, il n'a pas fait attention au positionnement des implants et il a mis des implants qui se touchent. Donc, quand on a des implants qui se touchent, il n'y a pas moyen de faire une couronne. Et si par hasard on réussit de faire une couronne, ça ne va pas rester beaucoup parce que c'est pas hygiénique et le patient ne peut pas nettoyer et on va avoir une préimplantite dans l'avenir proche. Donc, le traitement ici, c'est bien sûr, il fallait enlever les implants. Comme vous pouvez voir ici, les implants, ils se touchaient. Donc, on a enlevé les implants. On a attendu la cicatrisation, bien sûr. Il fallait attendre 3 à 4 mois. Et puis, on a remplacé tout ça par d'autres implants. Comme vous pouvez voir ici, le bon positionnement des deux implants remplaçant les implants enlevés. En haut, à gauche aussi, on a fait une élévation de sinus et on a mis deux implants postérieurs. Ça, c'est un autre cas d'un patient aussi qui a mis des implants et il est venu bien sûr me consulter, qui a été référé par un autre confrère. Donc, le patient se plaignait, premièrement, et son occlusion n'était pas bien. Il me disait qu'il fermait seulement sur un seul côté et l'autre côté, il ne touchait pas. En regardant la radio panoramique, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que le cher dentiste qui a mis les implants à ce patient-là, il a décidé de mettre 4 implants au niveau postérieur droite. Et comme par hasard, il a fait un cantilever de 3 dents en mésial. Donc, les incisives étaient en cantilever. Et il a choisi de ne pas mettre des implants au niveau antérieur. Pourtant, la région la plus demandée et la plus fiable pour mettre des implants, c'est la région mandibulaire antérieure. Donc, à cause de ça, à cause de ce très long cantilever, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une perte osseuse au niveau des implants postérieurs. Donc, on a eu une perte osseuse à peu près du tiers de la longueur implantaire sur 47, 46. Et on avait aussi des pertes osseuses au niveau de ces deux implants qui ne sont pas très visibles ici à la radio, mais sur la rétroalvéolaire, ils étaient très clairs. Et en plus de ça, le patient, il n'avait plus la possibilité financière pour pouvoir mettre des implants partout à droite et à gauche pour pouvoir financer un autre traitement. En plus de ça, comme vous pouvez voir, sur les dents existantes, on avait ici une très petite racine sur la dent numéro 32, donc on ne pouvait pas laisser cette dent. On avait une carie sous la couronne de la dent numéro 34. Et une petite carie sur la dent numéro 33. Donc, la plupart des dents étaient à extraire et le patient ne pouvait pas se permettre de mettre plus que 7, de mettre 7 à 8 implants pour remplacer le tout. Donc, on a décidé de tout enlever et de remplacer tout ça par 2 implants antérieurs et de mettre des locators dessus et une prothèse amovible attachée à des locators. Mardinger et collaborateurs en 2008 dans le journal de Paro aussi, ils ont préconisé qu'il fallait extraire un implant qui commençait un échec, pas qui commençait, qui était en échec total, le plus tôt possible. Et ceci pour augmenter les chances de réimplantation. Parce qu'autant qu'on met l'implant, on le laisse en place et il est en train de faire des dégâts au niveau de l'os existant. Donc, il fallait mieux extraire l'implant le plus tôt possible pour le remplacer par un autre. Comme je suis un petit peu plus âgé que vous, j'ai 51 ans, donc j'ai eu la chance de voir des implants en lame. Maintenant, normalement, vous ne voyez plus des implants comme ça, mais ce sont des implants qui entraînaient des échecs catastrophiques après. Il fallait extraire le tout. Aussi, on avait des problèmes avec les implants
supériosité. Donc, ce sont deux genres d'implants qu'on n'utilise plus actuellement, qui ont fait beaucoup de dégâts, parce que la plupart de ces implants étaient faits en stainless steel, ce n'étaient pas des implants en titane, donc ils ne s'osteo-intégraient pas complètement, et après un certain temps, on les perdait. Ça, c'est un autre cas de péri-implantite. Dans ce cas-là, comme vous pouvez voir, la perte osseuse, elle a dépassé 50% de l'implant. Aussi, le plus tôt possible, on a extrait l'implant, on a enlevé l'implant avec un fraise trepant, et on a aussi d'autres instruments pour extraire les implants. Donc, vous pouvez voir le grand dégât qui a eu lieu à cause de la péri-implantite. Donc, on a attendu 3-4 mois. On a toujours un petit trou là qu'on a utilisé pour mettre un nouvel implant. On a mis un autre implant dans une bonne position. On a fermé le tout. On a attendu 2 mois. Et on a restauré la couronne après, ok, en très bonne position, avec un parodonte plus ou moins sain tout autour. Ça, c'est un autre cas aussi, un très grand cas de péri-implantite. Donc, c'est un cas qui date de plus de 10 ans. À ce moment-là, on n'avait pas les moyens de traiter une péri-implantite assez grave. Maintenant, notre traitement, il a changé. Donc, ce cas-là, si je le vois actuellement, je peux traiter, on peut traiter ça, on peut faire une greffe osseuse là, mais en ce temps-là, on n'avait pas cette chance, on n'avait pas un protocole de traitement, donc tout ce qu'on pouvait faire, c'est d'enlever l'implant et de le remplacer par un autre. Ça, c'est un autre cas aussi qui est un petit peu ancien. Donc, il n'y a pas de respect des facteurs biomécaniques. Pourquoi? Parce qu'on a décider de jumeler un implant avec des dents naturelles avec un très long pontique. Donc, comme vous pouvez voir, une très grande perte osseuse tout autour. Donc, il fallait enlever cet implant-là. Vous pouvez laisser cet implant, mais cet implant, il fallait le séparer de la dent naturelle qui était jumelée à lui. Donc, notre traitement, c'était enlever le tout et de remplacer par d'autres implants et de faire une greffe osseuse aussi. Donc, ça, c'est le remplacement. OK. Et ça, c'est les couronnes finales. Comme vous pouvez voir, on a séparé l'implant de la dent naturelle et on l'a jumelé à un implant qui a été posé à ce niveau-là et un autre implant au niveau de la région médiale. Médiale. Ça, c'est un autre cas aussi où il n'y a pas eu un respect des facteurs biomécaniques. Aussi, on a jumelé deux implants assez postérieurs avec un bridge et des pontiques à une dent naturelle. Et comme vous pouvez voir, la perte osseuse tout autour. Aussi, donc, on a enlevé les implants qui ont eu une perte osseuse et regardez la perte osseuse qui se manifeste. OK? Donc, on a attendu 4 mois. On a pris, bien sûr, on prend toujours un CBCT avant de mettre les implants. On a mis aussi deux implants au niveau du côté gauche mandibulaire. Donc, on a pris le CBCT. On a vu qu'il y avait plus ou moins une perte osseuse, mais il y avait un petit peu d'os et c'était peut-être faisable de mettre l'implant et de faire une petite greffe osseuse aussi. C'est ce qu'on a fait. Donc, on a mis le premier implant et le deuxième implant dans une position un petit peu plus linguale et on a fait une greffe osseuse tout autour. Ça, c'est les implants, ça, c'est la radio des implants. Donc, on a attendu 2 mois, on a fait les couronnes. Ça, c'est un autre cas où le dentiste, il a voulu mettre des implants et en même temps, il a voulu éviter de faire une élévation de sinus. Donc, il a décidé d'anguler les implants mésialement pour prendre plus ou moins avantage de l'os existant, mais il a oublié qu'il y avait les racines des canines qui sont assez longues, donc il a transpercé les racines des canines, et ce patient, maintenant, il avait mal au niveau des canines, donc parce que ses dents étaient en voie de mortification. Donc aussi, dans ce cas-là, il fallait enlever les implants, bien sûr, faire une élévation de sinus et de remettre d'autres implants. Ça, c'est un autre cas où le dentiste, il a fait la même chose, mais il a eu la malchance d'avoir une fracture. Donc, l'implant s'est fracturé à ce niveau-là. La racine de la dent a été plus stable et plus robuste que l'implant.
Bien sûr qu'il fallait enlever tous les implants, que ce soit gauche ou droite, parce qu'ici aussi il y a une perte osseuse. Il fallait les enlever, faire des élévations de sinus et remettre par d'autres implants. Donc ça, c'est un autre cas. Deux implants antérieurs avec un déchaussement. On peut voir le pilier des implants. Donc, dans ce cas-là, c'est quoi le traitement? On prend une radio. Si on voit que le pilier il est assez épais, donc on peut le remplacer par un pilier qui n'est pas très épais, il n'est pas donc et le profil d'émergence est plus petit et on fait d'autres couronnes, donc le métal là il disparaîtra. Si les piliers ne sont pas assez larges, donc il n'y a pas assez de hauteur gingivale, le traitement ici c'est de faire des greffes de gencives. On peut faire des greffes de gencives pour combler tout ça. Ça c'est un autre cas. Aussi un patient qui a 62 ans, donc qui a une maladie parodontale qui n'a pas été traitée, mais en plus de ça, on lui a mis des implants au niveau supérieur droite, et comme vous pouvez voir, la perte osseuse au niveau de ces implants, elle est plus ou moins à 50 ou 60%. Pourquoi on a eu cette perte osseuse? Probablement parce qu'une maladie non traitée, on a une migration bactérienne de la région des dents naturelles au niveau des implants dentaires, et bien sûr, la perte osseuse commence et on a une périimplantite. Donc, c'était, comme vous pouvez voir aussi au niveau de cette radio, ça c'est la position de l'os existant. Et cet implant-là, comme vous le voyez, il est plus ou moins dans le sinus. Donc, c'était quoi le traitement? Premièrement, il fallait faire un traitement parodontal actif au niveau des dents existantes, plusieurs séances de détartrage profond, enseignement de l'hygiène, plusieurs séances de surfaçage radiculaire, des lambeaux parodontaux, une ostéoplastie et des greffes osseuses plus ou moins autogènes. Donc, on devait commencer par l'ablation des implants supérieurs gauche. On a enlevé les implants. OK, on a utilisé des fraises trépan pour les enlever. On a enlevé les implants. Et on devait aussi extraire les deux prémolaires parce qu'elles étaient très mobiles. Et comme vous voyez, l'autre dentiste, il a essayé de les jumeler avec un fil métallique pour diminuer la mobilité, mais il y avait beaucoup de pertes osseuses. Donc, on a pu en même temps extraire les implants postérieurs, extraire les prémolaires, mettre immédiatement deux implants au niveau des prémolaires pour pouvoir supporter des dents provisoires très prochainement pour ne pas laisser le patient sans dents beaucoup de temps. Et à ce niveau-là, on pouvait rien faire parce qu'il n'y avait pas d'os. Donc, on devait attendre 3 à 4 mois pour pouvoir entrer et faire une élévation de sinus. Donc, les deux implants ont été posés là. Le traitement parodontal a été fait sur les dents existantes. On a posé aussi un implant au niveau de 24, au niveau de 27, avec une élévation interne de sinus. On a posé des implants au niveau de 12, de 32, de 42, au niveau de 45, 46, 47. Et on devait mettre des implants aussi au niveau mandibulaire gauche. Mais qu'est-ce qu'on peut voir ici? On a un petit morceau. Le patient m'a dit qu'il avait des implants à ce niveau-là et on les lui a extraits, on lui a enlevés. Donc ça, c'est un bout d'implant qui a été laissé en place. On n'a pas pu enlever ce morceau d'os, ce morceau d'implant. Et en plus de ça, on a pris une radio 3D, CBCT. On a vu que ce morceau de titane qui était laissé à ce niveau-là était exactement sur le trou mentonnier, donc sur le nerf. Donc, c'était très difficile de l'extraire parce que si on devait l'extraire, on devait aller un petit peu plus apicalement pour pouvoir le faire sortir. Un petit peu plus apicalement, on serait au niveau du trou mentonnier. Donc, la seule solution ici, c'est de l'éviter. Essayer de mettre des implants en évitant ce morceau de titane. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, on commence au niveau supérieur. On a ouvert de nouveau 3 mois plus tard. Et comme on voit sur l'implant que je vous ai indiqué, où il était dans le sinus, ici, il y avait toujours une ouverture du sinus. Donc, même sans commencer la procédure de l'élévation sinusienne, on avait déjà une perforation de la membrane sinusienne parce que l'implant, il passait à travers la membrane. OK, donc on a créé la fenêtre osseuse, on a réaligné la membrane sinusienne. Et comme vous pouvez voir à la photo, on peut voir ici la déchirure de la membrane. Donc c'était indispensable de pouvoir fermer
cette petite déchirure. Donc, on a utilisé une membrane en collagène qui, normalement, doit être beaucoup plus grande que la petite perforation. On a mis la membrane en collagène ici. Donc, on a fermé l'ouverture de la membrane et on a mis, bien sûr, un os bovin tout autour. Et on a fermé de nouveau, on a mis aussi une membrane en collagène pour fermer le tout. Et on a fermé, on a attendu 6 mois avant de mettre les implants postérieurs. Comme vous pouvez voir ici, on a des couronnes provisoires sur les implants déjà mis au niveau des prémolaires. Donc, 6 mois plus tard, on peut voir lorsqu'on a créé à ce niveau-là. OK, donc on a mis, ça c'est le traitement terminé. Donc ça c'est les implants au niveau des prémolaires avec deux couronnes jumelées. Ça c'est les deux implants qu'on a mis au niveau de l'élévation sinusienne, les deux molaires qu'on a jumelés aussi. Un implant seul sur 24, un implant seul sur 27 avec une petite élévation sinusienne là. Et comme je vous ai dit en bas à gauche, on a essayé d'éviter ce morceau de titane là. On a été un petit peu plus en mésial avec un implant assez angulé. Et les deux implants postérieurs ici, on a pu faire les couronnes sans problème. Donc ça, c'est une vue finale du traitement terminé. C'est les couronnes du patient. Il y a toujours un traitement complémentaire à faire chez les patients qui ont eu des échecs implantaires. Premièrement, il faut une gestion psychologique des patients. C'est assez dur de leur expliquer notre plan de traitement. Il faut des solutions temporaires, que ce soit des prothèses amovibles ou de préférence des prothèses temporaires fixées sur des implants provisoires. Ou parfois, on laisse quelques implants, on fait des provisoires dessus. Puis, on les extrait pour remplacer les provisoires sur les implants qu'on a déjà mis et on extrait après les implants qu'on a laissés. Ça, c'est un autre cas d'une femme de 45 ans qui est venue me consulter dans cette situation. Donc, elle a eu deux implants placés très apicalement. Donc, probablement, qu'est-ce qu'il y a eu ici? C'est le dentiste qui a voulu mettre deux implants. Probablement, il n'a pas pris de CBCT ou peut-être il n'a pas pu interpréter qu'il n'avait pas assez d'os. Et quand il a ouvert, il a vu vraiment qu'il n'avait pas assez d'épaisseur osseuse. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis les implants très apicalement, là où il y a un petit peu plus d'épaisseur osseuse. Et il a espéré avoir une gencive qui va plus ou moins fermer tout ça, mais c'est pas le cas. Donc, si par hasard, cette bonne femme, elle aurait des couronnes beaucoup plus grandes que les incisives latérales, ça sera comme plus ou moins un lapin. Donc, c'est quoi le traitement ici? Donc, il fallait premièrement enlever les implants, faire une greffe osseuse, que ce soit en onlay ou une régénération guidée avec des membranes. Il fallait mettre deux implants de nouveau, des vis de cicatrisation de 2 millimètres, faire une greffe de gencive aussi pour pouvoir gagner un petit peu plus de gencive pour pouvoir créer de la une papille. Et puis, un deuxième plan chirurgical. Et peut-être un allongement coronaire pour tout le reste du maxillaire supérieur pour pouvoir plus ou moins adapter les niveaux très coronaires des autres dents sur les niveaux très apical au niveau de cette région. Ça, c'est un autre cas aussi semblable. Un remplacement d'une centrale supérieure gauche par un implant qui a été posé aussi dans une position très, très apicale. Et cet implant, il était en complète ostéo-intégration. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait faire ici? La même chose, faire une extraction de l'implant, donc le plus tôt possible. 40 jours plus tard, faire une greffe osseuse en onlay ou peut-être une chirurgie greffe osseuse guidée. 6 mois plus tard ou 8 mois plus tard, mettre en place des implants et une greffe de gencive. 2 mois plus tard, un deuxième temps chirurgical et un allongement coronaire sur 11. Pour pouvoir un petit peu augmenter la hauteur de la centrale, parce qu'elle était très semblable à la latérale, il fallait qu'elle soit un petit peu plus grande et pour pouvoir aussi arranger les niveaux de 11 et 21. Puis 6 semaines après, l'empreinte finale et la couronne. Ça, c'est une femme de 55 ans aussi qui est venue me consulter. Comme vous voyez, 35% de mon travail, c'est les reprises de traitement implantaire. Parce que actuellement, tout le monde est en train de faire des implants
Et beaucoup de dentistes ne sont pas assez entraînés pour mettre des implants. Soit ils ne sont pas des spécialistes, soit des dentistes généralistes, mais qui n'ont pas assez d'entraînement. Donc, on a beaucoup de cas et d'échecs qu'il faut reprendre. Donc, c'est une patiente qui a plus ou moins un traitement implantaire généralisé où il fallait extraire tous les implants. Donc, regardez la perte osseuse au niveau des implants. Donc la perte osseuse est entre 40 et 60%, que ce soit en haut, que ce soit en bas. Donc tous les implants avaient une perte osseuse. Donc il fallait extraire tous les implants et reprendre le traitement. Ça, c'est les rétroalvéolaires. On peut voir plus clairement le niveau de perte osseuse. Comme vous voyez, je fais un sondage au niveau des implants pour voir un petit peu me situer, voir l'inflammation, et j'écris ici s'il y a du pus qui sort. Donc, il y a du pus qui sort partout. Ça, c'est un autre cas aussi. C'est un patient qui m'a consulté avec des implants au niveau supérieur gauche. Donc, comme vous pouvez voir, c'est des implants qui sont en position très apicale pour débuter. Mais il m'a dit qu'il avait une douleur, il avait une infection, et il avait un œdème à ce niveau-là. Donc, on a pris des radios. Donc, le bridge, il était amovible, il bougeait aussi. J'ai enlevé le bridge et j'ai regardé. Je voyais quelque chose de blanc ici, donc deux implants là. Je crois que cet implant, il bougeait un petit peu. Donc, on a commencé à prendre les radios. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Donc, ce patient, il avait trois implants. Et comme vous pouvez voir ici, il y a quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'il y avait là? Il y avait une canine incluse. Et le dentiste, il a décidé, donc à la place d'extraire la canine incluse et de mettre les implants ultérieurement, donc il a décidé de transpercer la canine incluse et de mettre les implants à travers la canine incluse. Donc, ces implants n'étaient pas ostéo-intégrés, ils étaient dento-intégrés. Okay? Donc, parce qu'il a transpercé la canine, il y a eu une mortification et une nécrose et une infection. Ça a entraîné aussi une perte osseuse. Et bien sûr, l'implant qui n'était pas complètement ostéo-intégré a perdu son ostéo-intégration et il a commencé à bouger. Donc, dans ce cas-là, il fallait aussi extraire le tout, enlever le tout et faire la reprise du traitement. Ça, c'est aussi une patiente. Donc, c'est un cas qui n'est pas très ancien. Il date de peut-être de 2 ans. Peut-être un petit peu plus, 3 ans peut-être. Donc, qui est venue me consulter pour plusieurs problèmes. Donc, elle m'a dit en premier lieu qu'elle avait un traitement implantaire au niveau du maxillaire supérieur, donc tout était des implants. Mais dès le moment où elle a mis les courantes sur un plan, les problèmes ont commencé. Donc, elle m'a dit, quand j'ai commencé, j'ai mis les courantes sur un plan il y a peut-être 4 ans, avant cette visite. Elle a commencé à sentir une mauvaise odeur. Il y avait une très mauvaise odeur qui sortait de sa bouche. Et j'ai pu réaliser ça aussi en parlant à cette patiente. Donc, il y avait une mauvaise odeur qui sortait. Elle m'a dit aussi que elle avait des inflammations, elle avait des infections et des douleurs plus ou moins généralisées. Et en plus de ça, elle n'était pas satisfaite du résultat esthétique. Comme vous pouvez voir ici, au sourire maximal de la patiente, on pouvait voir peut-être 1 ou 2 mm des couronnes. Donc, le résultat esthétique aussi n'est pas satisfaisant. Donc, regardons voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Donc, c'est une patiente de 49 ans. Donc, à l'examen intraoral, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que cette patiente, elle a une prothèse totale. Ça, c'est un buccal flange, c'est-à-dire un rebord vestibulaire de la prothèse. Donc, il y avait un rebord vestibulaire. On ne pouvait pas voir les implants là où ils étaient. Qu'est-ce qu'on pouvait voir aussi? Que le rebord vestibulaire, il arrivait au niveau du fond du vestibule. Donc, à la radio panoramique, qu'est-ce qu'on pouvait voir? On pouvait voir qu'il y avait des pertes osseuses au niveau de tous les implants supérieurs. Le dentiste, il a choisi de mettre 6 implants. Il n'y avait pas assez d'os, surtout au niveau postérieur.
Donc, ici, l'implant, il était peut-être implanté dans 2 ou 3 mm d'os, là aussi. Mais le plus grand problème, c'était la prothèse, parce qu'il a décidé de faire une prothèse hybride. Donc, c'était une prothèse qui était plus ou moins métallo-acrylique, avec des couronnes en céramique, mais il n'a pas laissé un endroit pour nettoyer la prothèse. Donc, la mauvaise odeur, elle venait de la prothèse. Il n'y avait pas un moyen de nettoyer la prothèse et tout ce que la patiente mangeait était incrusté à ce niveau-là. Donc, elle avait des aliments qui étaient là-dedans depuis 4 ans. Donc, imaginez la situation de cette patiente. Quand on a pris un CBCT pour voir la quantité osseuse qui existait, comme vous pouvez voir, il n'y avait même pas 2 ou 3 mm d'os qui existait, surtout au niveau de la région postérieure. Et aussi au niveau de la région antérieure, on avait peut-être 5, 7, 7 mm ou 8 mm, pas plus que ça. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? On avait 7 à 8 mm au niveau de la région antérieure, on avait 1 à 2 mm au niveau de la région postérieure, on avait une prothèse fixe sur des implants, mais qui ne marchait pas. Il fallait enlever la prothèse, il fallait enlever les implants, il fallait faire des élévations de la droite et à gauche pour pouvoir mettre des implants longs à droite et à gauche et pour pouvoir supporter une prothèse totale, une prothèse, des prothèses pour tout le maxillaire supérieur. Donc, c'était quoi le plan de traitement? Ok, ça c'est les CBCT. Comme vous pouvez voir, la perte osseuse qui existait au niveau des implants existants en vestibulaire. Donc ça c'est la 23. Ça c'est la 21. Vous pouvez voir, il n'y a pas d'os en vestibulaire. Et ça c'est aussi la 23. Donc notre plan de traitement, il était donc et en bas aussi, comme vous pouvez voir aussi les implants du bas postérieur, il y avait aussi une perte osseuse tout autour. Donc, on avait une périimplantite plus ou moins avancée. Donc, pour commencer avec le diagnostic. Donc, au niveau supérieur, il y avait une mauvaise conception de la prothèse qui a entraîné une perte osseuse totale, une mauvaise odeur et une inflammation, une infection généralisée. Donc, on peut jamais faire une prothèse hybride sans laisser un espace adéquat pour pouvoir nettoyer entre les implants. Jamais. Au niveau inférieur, au niveau de la mandibule, donc on avait des pertes osseuses au niveau des implants postérieurs qui ont été causées probablement soit par un trauma occlusal ou par des tissus avec une quantité insuffisante lors de la mise en place des implants. Mais de toute façon, il fallait les enlever, faire des greffes et de remplacer par d'autres implants. Donc, le traitement, c'était, il fallait enlever tous les implants supérieurs et mandibulaires postérieurs, faire des greffes osseuses au niveau supérieur et inférieur, faire de nouveaux implants et une nouvelle prothèse. Mais ce qui est très important ici, c'est pas seulement le plan de traitement, mais la séquence, comment on va commencer. Parce que la patiente, elle était inquiète. Elle m'a dit en premier lieu, que elle voulait pas rester sans prothèse fixe. Elle voulait une prothèse fixe à tout le mois, à pendant tout le traitement. En deuxième lieu, elle voulait bien sûr une amélioration de l'esthétique et elle voulait un traitement durable. Donc l'argent n'est pas une issue ici. Donc elle voulait un traitement assez durable. Elle voulait le meilleur traitement. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Premièrement, au niveau supérieur, on a commencé à fabriquer une prothèse supérieure provisoire fixée sur les implants qu'il fallait enlever en deuxième lieu. Donc, on a utilisé les implants existants qui plus ou moins étaient toujours ostéo-intégrés, qui avaient beaucoup de pertes osseuses tout autour, mais les implants étaient toujours ostéo-intégrés. Donc, on a pris une empreinte sur les implants. Et pour pouvoir remplacer tout ça avec une prothèse fixe, provisoire. En deuxième lieu, on devait faire une élévation de sinus à droite et à gauche. En troisième lieu, il fallait mettre des implants sur 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 27.
et puis un ou deux implants antérieurs qui sont courts, si possible. Puis faire une autre prothèse hybride, mais avec des espaces suffisants pour pouvoir nettoyer entre les implants, bien sûr, et les couronnes. Au niveau mandibulaire, il fallait extraire les implants numéro 36 et 46, faire une régénération osseuse guidée au niveau de 36 et 46, mettre de nouveaux implants sur 36, 37 et 46, 47. Et puis faire des couronnes vissées sur 36-37 et 46-47. Donc, on a commencé par enlever l'ancienne prothèse existante et ça nous a pris du temps parce que c'était pas facile de pouvoir enlever et de chercher les entrées des vis et de dévisser le tout. Donc, on a enlevé le tout, on a pris l'empreinte et on a envoyé au laboratoire et on a fabriqué une prothèse provisoire. Donc, la prothèse provisoire, premièrement, il fallait respecter les espaces pour pouvoir nettoyer. En deuxième lieu, on a augmenté la DVO pour pouvoir changer l'aspect esthétique qui n'était pas valable. Donc, ça, c'est l'intrado de la prothèse. On a utilisé deux implants pour faire visser et les autres implants étaient scellés. Donc, c'était plus facile de mettre en place. On a mis les piliers en place, donc ce sont les piliers des régions scellées. Donc on mettait, disons, du ciment au niveau des entrées, au niveau des implants scellés et on vissait les autres. Donc comme vous pouvez voir, on a mis la prothèse supérieure provisoire sur ces implants-là. On a augmenté la DVO, bien sûr, pour pouvoir voir chez la patiente l'aspect esthétique, comment ça va devenir, et pour voir si l'ATM va pouvoir supporter cette augmentation assez importante de la DVO. Et comme vous pouvez voir, il y a toujours de l'espace pour pouvoir nettoyer au niveau de cette prothèse. Donc, en premier lieu, on a libéré la patiente de l'odeur nauséabonde et de la mauvaise odeur existante. Et on a arrangé l'aspect esthétique de la patiente. Donc, comme vous pouvez voir maintenant, la patiente, elle peut sourire et ses dents sont plus visibles. Donc, automatiquement, quand on a ça, la patiente, elle est très satisfaite. Et l'aspect général de la patiente, elle ressemble à une femme qui est au moins 10 à 20 ans plus jeune que ça. Mais on peut voir ici que, au niveau de la prothèse provisoire, on a augmenté un petit peu plus la DVO, on a augmenté un petit peu trop la grandeur des dents antérieures. Donc, dans la prothèse finale, on peut deviner dès maintenant qu'on va diminuer un petit peu disons, le display ou la visibilité des dents antérieures. Donc, ici, on a commencé, donc on a mis la prothèse, donc on a enlevé la prothèse et on a fait l'élévation sinusienne à droite et à gauche sans toutefois enlever les implants existants. Donc, on a fait l'élévation sinusienne au-delà des implants existants et en-dessus des implants existants. Et on a remis la prothèse en place pour pouvoir attendre 6 mois pour pouvoir mettre les implants. Au niveau des dents mandibulaires, donc on a extrait les implants. Comme vous pouvez voir, les pertes osseuses qui existaient au niveau de ces implants-là. On a extrait les implants. Et on a refermé. On est rentré 1 mois et demi plus tard pour faire des régénérations osseuses guidées, que ce soit à gauche ou à droite. Ici, on a utilisé des pins de fixation de la membrane. On a fait l'élévation sinusienne en haut à droite et en haut à gauche. Et on a attendu 6 mois. Donc, 6 mois plus tard, qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé les deux implants les plus postérieurs existants et on a posé nos implants entre les implants qu'il fallait enlever ultérieurement. Et tout ceci pour ne pas perdre la stabilité de la prothèse provisoire. Okay? Donc, on a mis nos implants sans toutefois enlever tous les implants qu'il fallait enlever. Donc, c'était la radio de début. Et ça, c'était la radio après l'élévation sinusienne. Et ça, c'est la radio avec la mise en place de nos implants et avant l'ablation des implants qu'il fallait enlever.
Donc, on a mis quatre implants de chaque côté, à droite et à gauche, pour pouvoir plus ou moins prendre avantage de l'os qu'on a créé, donc de mettre des implants assez longs et assez nombreux. Et on a pu mettre deux implants au niveau antérieur, mais comme vous voyez, ce sont de très courts implants. OK? Donc, 3 mois plus tard, nos implants sont osteo-intégrés. On a pu remplacer, on a pu extraire ces implants-là et on a remplacé la stabilité de la prothèse provisoire avec nos implants. Donc, on a mis des prothèses, des piliers provisoires sur nos implants et on a attaché la prothèse provisoire sur nos implants. Donc, la patiente n'est jamais sortie de notre cabinet sans prothèse provisoire esthétique et fixe. OK? Donc, ici, on faisait disons, l'essayage de l'armature métallique. OK. Et ça, c'est les implants du bas. On a mis les implants du bas 8 mois après la greffe osseuse au niveau droite et gauche. Et ça, c'est la prothèse finale supérieure. Comme vous pouvez voir, c'est une prothèse hybride, bien sûr, avec une fausse gencive. Mais tout ça, c'est en acryl avec une infrastructure métallique. Comme vous pouvez voir aussi les espaces qu'on a laissés entre les implants pour pouvoir nettoyer et faire entrer des brossettes interproximales et interdentaires. Ça, c'est le côté mandibulaire. Comme vous pouvez voir, deux couronnes à droite et deux couronnes à gauche, des couronnes vissées. Ça, c'est le haut. Et ça, c'est l'aspect esthétique final de la patiente. Donc, comme vous pouvez voir, on a réduit un petit peu la visibilité des dents antérieures. Donc, on a réduit un petit peu la DVO. Et la patiente est vraiment satisfaite. Ça, c'est le résultat final. Ça, c'est un autre cas. Donc, comme vous pouvez voir, c'est mon travail de routine tous les jours. Je ne vois que des cas pareils. Donc, j'ai pas beaucoup de cas d'implants assez simples, donc c'est des cas assez complexes que je traite pour pouvoir, disons, surmonter les échecs qui existent. Donc, c'est une patiente qui est venue chez moi dans cette situation. Lors de l'examen intraoral, on a vu que c'était des dents provisoires, c'est un bridge provisoire qu'on a enlevé. Et on peut voir ici et deviner qu'il y a une grande perte de substance gingivale et de substance osseuse. Donc, la patiente m'a dit qu'elle a eu un accident de voiture. Donc, aussi avec, on a découvert aussi, on a eu une surprise que cette patiente, malgré cette grande perte osseuse et gingivale qui existait, cette patiente, elle a eu deux implants placés dans une position assez apical. Et si vous vous souvenez un petit peu de son sourire, elle a un sourire gingival. Donc imaginez des couronnes, ici une centrale plus longue de la centrale d'à côté de 5 à 6 mm, une latérale encore plus grande que les deux. Imaginez, c'est une femme vraiment de 30 ans qui est plus ou moins belle. Imaginez son sourire. Donc il n'y avait pas moyen de continuer comme ça. Donc on a pris les radios. On a vu que ce sont des implants plus ou moins ostéo-intégrés. Au niveau de la 11, il y avait une infection plus ou moins assez grande. Mais au niveau de la CBCT, de la radio 3D, on a vu que les implants existants, il n'y avait pas d'os au niveau, donc la crête vestibulaire, elle manquait au niveau de ces deux implants. Donc, imaginez la position apicale des implants déjà placés. Et malgré tout ça, on avait l'os qui manquait. Donc, l'os existant là, il était beaucoup plus apical que la gencive qu'on pouvait voir au niveau de sa bouche. Donc, c'est quoi le plan de traitement? Donc, on devait faire ça aussi en plusieurs phases. On peut pas faire tout en même temps. Donc, au début, il fallait enlever les deux implants. Il fallait aussi extraire la dent numéro 11. Il fallait attendre 6 semaines pour pouvoir avoir une cicatrisation des tissus mous complète, puis faire une régénération osseuse guidée horizontale et verticale en même temps pour pouvoir gagner autant qu'on peut de cette perte de substance. Faire aussi un allongement coronaire à droite et à gauche pour, premièrement, diminuer le sourire gingival et essayer un petit peu de joindre les deux niveaux
que ça soit très apical antérieur ou très coronaire postérieur. Puis, le traitement prothétique des mois plus tard. Donc, on a commencé à extraire les implants. Okay? On a des instruments assez spéciaux pour pouvoir enlever les implants actuellement sans faire de chirurgie. Juste, on met le dévisseur sur l'implant, donc c'est un dévisseur plus ou moins universel qu'on met sur l'implant et on dévisse l'implant. Donc l'implant sort. Premièrement aussi, ça n'a pas été très difficile parce que l'implant, il était partiellement ostéo-intégré. Au niveau palatin seulement, il n'y avait pas d'os vestibulaire. Donc on a enlevé le premier implant, on a enlevé le deuxième implant. Donc à ce moment-là, on a décidé de ne pas extraire la once parce que je voyais qu'il y avait un peu de tissu en mésial de la once et j'ai cru que normalement, en laissant tout ça, on pouvait espérer une régénération plus facile en ayant ici un petit mur osseux là, donc le déplacement latéral des cellules osseuses à partir de l'os existant ici, c'est plus facile que d'avoir que de créer une régénération osseuse guidée est verticale, juste une migration cellulaire de cette région apicale. Et j'ai eu tort parce que quand j'ai ouvert de nouveau pour faire la greffe osseuse, j'ai observé que l'infection qui était au niveau de la 21, que j'espérais et que à la radio elle se voyait là, on avait, elle arrivait au niveau de la région où je devais mettre mon os. Donc c'était un très grand risque si on devait faire une greffe osseuse là. Comme ça, parce que faisant une greffe osseuse là, avec cette région infectée, on pouvait avoir une transmission de l'infection de cette région-là et on peut perdre tout notre greffe. Donc à ce moment-là, j'ai décidé juste d'extraire la dent numéro 11 et de refermer le tout et de rentrer ultérieurement après un mois et demi de cicatrisation. Donc un mois et demi plus tard, vous voyez que la situation et devient de plus en plus grave. Et à chaque fois qu'on entrait, les tissus migraient en plus apicalement. Donc, on est rentré un mois et demi plus tard. On a fait les incisions au niveau du même endroit. On a ouvert de nouveau. Et comme vous pouvez voir et évaluer, au niveau de la crête palatine, on a une perte verticale de 6 mm. Au niveau de la crête vestibulaire, on avait une perte verticale de 12 mm. Donc toujours quand on doit faire une régénération osseuse verticale, on doit toujours avoir de l'os autogène, on doit mélanger ça avec de l'os bovin dans une proportion de 50 ou 60% d'os autogène, autogénique bien sûr. Et la région la plus fiable et la plus facile pour avoir de l'os autogène, c'est la région rétromolaire au niveau du ramus. Donc, on enlève assez de copeaux osseux et on les mélange avec le tissu, avec l'os bovin. La membrane qu'on doit utiliser pour avoir une régénération verticale, c'est une membrane renforcée en titane. Donc, c'est pas une membrane résorbable, c'est une membrane non résorbable, renforcée en titane, qu'on doit premièrement stabiliser au niveau palatin avec plusieurs vis ou taxes ou punaises. Okay, donc on fixe la membrane, on met l'os au niveau qu'on veut, okay, on referme la membrane et on continue à condenser l'os après avoir même fermé la membrane. On referme le tout hermétiquement. Donc les sutures, c'est une combinaison de sutures de matelassier horizontal et de sutures séparées. Donc la patiente, elle a voyagé et elle revient chez moi 9 mois plus tard. Donc 9 mois plus tard, elle revient avec beaucoup de plaques tout autour. Pourquoi beaucoup de plaques tout autour, malgré que je lui ai bien demandé de bien nettoyer à ce niveau-là, mais je comprends bien les patients, ils ont vraiment un problème traumatique, ils ont peur d'approcher cette région. Donc la patiente, elle me dit, j'ai peur d'approcher, j'ai peur de brosser les dents ici, je ne peux pas le faire. Donc j'ai peur de gâcher ce que vous avez fait. Mais malgré ça, on peut voir que le niveau déjà tissu, il est beaucoup plus
fiable, il est beaucoup plus valable, il est beaucoup plus coronaire que le début. Donc, on a enlevé le petit bien sûr. On a fait l'allongement coronaire à droite et à gauche. On a ouvert la région, on a mis la membrane. Donc, on peut voir bien la membrane. Ici, on a enlevé la membrane et regardez le volume osseux qu'on a obtenu. Donc, ça, c'était la photo de début, donc avant de faire la greffe osseuse. Et ça, c'est la même photo 9 mois plus tard. Donc, vous pouvez voir combien d'os on a gagné verticalement et horizontalement. Donc, on a commencé à faire l'allongement coronaire à droite et à gauche et on a positionné nos implants. On a mis des implants au niveau qu'on veut et bien sûr avec un pontique au milieu. Donc, ça, c'est des provisoires maintenant. Et ça c'est un autre set de provisoires que le dentiste est en train de faire. Donc, il fallait travailler un petit peu les provisoires pour pouvoir gagner plus de papilles entre les couronnes. Et j'ai plus revu la patiente pour les couronnes finales. Mais j'ai su qu'elle a été très satisfaite et le résultat esthétique, il était très, très acceptable. Donc, quand on parle de critères de succès, c'est pas seulement quand on obtient une stabilité primaire lors de la mise en place de l'implant. C'est pas quand vous mettez un implant et tout est stable, c'est-à-dire c'est un succès. Et donc non pas quand l'implant est stable lors de la mise en place du pilier final. Donc ça c'est pas un succès et ça c'est pas un succès. Donc le critère des critères de succès, c'est surtout un positionnement optimal en 3D. C'est le respect des structures anatomiques adjacentes. C'est les bonnes interactions avec les tissus parodontaux avoisinants et c'est un travail prothétique parfait. Donc, une très bonne fonction, un aspect esthétique naturel et un très bon pronostic à moyen et à long terme. Donc, maintenant, on commence plus ou moins la gestion des greffes osseuses et c'est quelque chose d'encore plus grave. Donc, c'est un patient qui m'a consulté là. Il m'a dit qu'il a eu une greffe osseuse au niveau supérieur droit, mais il pense actuellement qu'il y a quelque chose qui sort de la gencive. Donc, lors de l'examen intraoral, j'ai vu qu'il y a plus ou moins une vis de fixation et ceux qui sortaient de la gencive au niveau de la dent numéro 16. On a pris les radios. Qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, il y avait des vis de fixation ici. Donc, on a pris d'autres radios pour voir ça un petit peu plus clairement. Il y avait une vis qui était placée dans le sens apical et une autre vis dans le sens plus ou moins vestibulolingual. Aussi, une autre radio nous a montré que c'est une radio para-apicale. Ce sont les radios les plus fiables. Donc, on voit ici une corticale osseuse qui est attachée avec une vis. Donc cette corticale osseuse, elle est déjà, c'est un os mort qui est en dehors de la bouche, donc en dehors de la gencive. Donc il n'y avait pas de gencive qui comblait tout ça. Et comme vous pouvez voir ici, l'os spongieux qui était en dessous de cette corticale, il n'existe plus parce que cet os, il meurt. Il n'y a que la partie minérale qui reste. Et probablement, il y avait une autre greffe ici. Donc, je commençais plus ou moins à deviner ce que l'autre dentiste il a essayé de faire. Donc, il a essayé de faire une régénération verticale en utilisant un onlay graft, une greffe en onlay. Il a fait une régénération horizontale en utilisant un autre morceau de greffon. Mais à la CBCT, qu'est-ce que j'ai vu aussi? J'ai vu aussi que normalement, la fenêtre osseuse, la fenêtre sinusienne, elle a été ouverte. Donc, ce dentiste aussi, il a fait une élévation de sinus, mais qui n'a pas marché. Donc, ici, on avait plus ou moins 3 échecs. Donc, le premier échec, c'est le sinus. Il a ouvert la fenêtre osseuse, mais il n'y avait plus. Donc, il y a aucun os maintenant dans le sinus. On a tout perdu. Et il a essayé de faire une régénération verticale et on a tout perdu aussi. Il ne restait que la régénération vestibulaire, donc il fallait ouvrir pour voir la situation.
Donc, j'ai décidé de faire ça aussi en plusieurs étapes. Au début, on a juste enlevé la vis et le morceau osseux qui sortait. J'ai attendu 1 mois et demi pour une cicatrisation gingivale complète. Puis, 1 mois et demi plus tard, on a ouvert de nouveau. Donc, on a fait une incision verticale au niveau médial de la dent numéro 15. On a commencé. Donc, le plus difficile à faire, c'était ça. Donc, il fallait être en épaisseur totale au niveau de cette région pour pouvoir arriver au greffon osseux pour voir s'il est bon ou pas. Faire un décollement en épaisseur partielle au niveau de la fenêtre osseuse déjà faite, parce que si on devait aller en épaisseur totale, on aurait déchiré la membrane, parce que maintenant la membrane sinusienne, elle est en contact intime avec le conjonctif venant du lambeau. Donc, on a séparé le conjonctif du lambeau de la membrane sinusienne sans la déchirer. Ça, c'est la membrane sinusienne. On a augmenté un petit peu l'ouverture de la fenêtre osseuse qui était excessivement petite, donc on ne pouvait pas arriver là où on voulait. Donc on a augmenté le volume de la fenêtre osseuse. On a fait ça avec des instruments manuels parce que la membrane était très proche et c'était très difficile de faire ça avec un moteur. Le greffon osseux, il n'était pas valable parce qu'il bougeait. Donc, j'ai enlevé la vis et le greffon est sorti lui-même. Donc, même le greffon vestibulaire, il n'allait pas bien. Ici, j'augmentais toujours le volume de ma fenêtre osseuse pour pouvoir combler en médial. Donc, on faisait ça manuellement. Ça, c'est avec un ciseau à os. On appelle ça le back action, motion beam. Donc, ici, on réclinait toujours la membrane sinusienne. Et comme vous pouvez voir, le mouvement de la membrane sinusienne nous renseignait que vraiment elle était intacte, il n'y avait pas de déchirure sinusienne. Donc, on a commencé à mettre l'os. Et toujours quand on met l'os, on condense cet os-là avec des condensateurs assez larges pour pouvoir mettre l'os dans tous les coins de l'ouverture, dans l'ouverture sinusienne. Donc, on a condensé l'os. Dans ce cas-là, on utilise un os bovin à 100% avec des grandes particules de 1 à 2 mm. Donc, il n'y a pas de raison pour utiliser des greffons autogènes à ce niveau-là. Un greffon bovin était plus ou moins suffisant. Et aussi, l'orthodontiste nous a demandé, parce que comme vous voyez aussi, le patient, il faisait un traitement ortho, donc l'orthodontiste, il a demandé aussi de mettre 2 mini-implants dans cette région-là pour qu'il puisse plus ou moins distaller les deux prémolaires un petit peu. Donc, j'ai utilisé l'os existant qui était de 2 à 3 mm de hauteur pour pouvoir mettre ces mini-implants orthodontiques. Et ces mini-implants, donc l'orthodontiste, il nous a demandé de les mettre dans une position distomésiale pour pouvoir séparer, pour pouvoir supporter toutes les forces qu'il allait utiliser pour mésialer, pour distaller les prémolaires. OK, donc on a mis les 2 mini-implants et puis on devait les faire passer à travers le lambeau. Donc ça, c'était le premier implant. Oui, il y avait le deuxième implant qu'on devait aussi. Donc, il fallait plus ou moins perforer le lambeau pour pouvoir passer le deuxième mini-implant. Donc, on a fait une petite pression du lambeau sur l'implant pour pouvoir voir là où il sortait. Donc, il sortait quelque part là. Donc, on a juste emmené une lame de bistouri. On a ouvert de nouveau le lambeau pour que le deuxième implant. Donc les sutures, on commence toujours les sutures au niveau de la région médiale, au niveau de l'angle mésio-coronaire, au niveau de la papille pour pouvoir mettre tout en place. Puis on continue à faire les autres sutures. Donc toujours, on commence par la région médiale. OK? Donc, c'était la radio de début. Et ça, c'est la radio après la fin de la chirurgie. Donc, 2 mini-implants orthodontiques et une
élévation sinusienne complète. Donc ça, c'était la radio de début. Puis la radio juste après. Et ça, c'est la radio avec les implants en place 6 mois plus tard. OK? Ce sont deux implants qu'on a mis au niveau de la dent numéro 16 et 17. Et ça, c'est les couronnes finales, 3 mois plus tard. Ça, c'est un autre cas. Aussi, un patient qui m'a été adressé pour faire le traitement parodontal. Comme vous voyez, donc une perte parodontale plus ou moins généralisée, on devait faire un traitement parodontal et mettre des implants là où on devait mettre. Donc, au niveau mandibulaire, on devait mettre deux implants. Et le CBCT nous a indiqué une épaisseur osseuse de 2,5 à 3,5 mm. Donc, on pouvait pas mettre des implants sans toutefois augmenter le volume ou l'épaisseur vestibulo-linguale de cette région-là. Parce qu'on avait 3 mm, le meilleur traitement, c'était de faire une expansion osseuse, et c'est ce qu'on a fait. Comme vous pouvez voir ici, on a fait une incision au niveau de la corticale, une incision vestibulaire au niveau de la corticale. On a éloigné les deux crêtes, les deux murs, le mur vestibulaire du mur lingual. On a mis deux implants exactement dans la bonne position et on a greffé toute cette région-là avec de l'os, plus ou moins un mélange d'os autogène et d'os bovin. OK? Et on a fermé le tout. Le patient me dit, donc il m'appelle une semaine plus tard pour me dire qu'il avait vraiment très mal. Donc je lui ai dit que peut-être c'est normal, mais il fallait qu'il passe un petit peu. Il est passé et j'ai vu que normalement, la gencive ne fermait pas bien au niveau de l'os. Donc, on avait de l'os qui n'était pas, il n'y avait pas de gencive en dessus. Donc, ça, c'est la radio déjà prise une semaine plus tard. On peut voir la ligne de, disons, de fracture qu'on a déjà faite et on peut voir un petit peu de perte osseuse au niveau de cet implant-là. Donc, il va, il revient, je nettoie, je lui donne un gel de chlorhexidine. Et malgré tout ça, on a toujours de l'os qui est non fermé avec de la gencive. Donc ça s'annonce mal. C'est un patient, plus ou moins, disons, j'ai essayé parce que c'était mon patient et c'était un échec que moi j'ai fait. Donc j'ai essayé plus ou moins de me demander qu'est-ce qui se passait. C'était un patient qui avait un problème parodontal, c'était un très grand fumeur. Il fumait 4 à 5 boîtes de cigarettes par jour. Et malgré que moi, je lui ai demandé d'arrêter de fumer, je lui ai demandé de nouveau, après cette chirurgie, est-ce que tu as arrêté de fumer? Il m'a dit, je vous ai dit que j'ai arrêté, mais je vous ai menti, j'ai pas arrêté de fumer. Donc, on a fait une expansion osseuse au niveau de ce patient-là et il continue à fumer 4 à 5 boîtes de cigarettes par jour, malgré qu'il nous a dit qu'il a arrêté de fumer. Donc, pour, disons, expliquer qu'est-ce qui s'est passé, je crois que c'est la seule explication parce qu'une expansion osseuse comme celle-là, j'en ai fait des centaines, pour ne pas dire des dizaines, des centaines, et j'ai jamais eu de problème. Pourquoi on a eu de problème avec ce patient-là? Vraiment, je ne sais pas. Et les choses se dégradaient encore. Vous voyez la radio maintenant. On avait une perte osseuse plus ou moins complète au niveau de cet implant-là, au niveau de la partie distale, là, au niveau de la partie médiale, là. Donc, ça, c'est une radio qui a été faite 3 semaines après. Donc, regardez la perte osseuse. Donc, on a attendu un petit peu de temps. Puis, j'ai décidé qu'il fallait extraire les implants parce qu'il n'y a pas moyen de laisser tout ça. Donc, on a extrait les implants et on a un petit peu essayer d'enlever un petit peu de l'os qui sortait de la gencive pour pouvoir de nouveau avoir une fermeture gingivale. 3 mois après, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une perte osseuse plus ou moins complète à ce niveau-là. Imaginez, on voulait augmenter un petit peu horizontalement. Maintenant, on a une perte osseuse totale, plus ou moins. On n'a plus d'os ni en épaisseur, ni en hauteur. Vous voyez le niveau osseux là? Comment il est descendu. Donc, on n'avait plus d'os. Qu'est-ce qu'il fallait faire?
Donc, on avait 12 mm maintenant de perte verticale de tout le tissu qui existait là. Donc, on avait le choix maintenant que de refaire une greffe osseuse verticale. Mais bien sûr, le patient maintenant nous a assuré qu'il allait arrêter de fumer au moins 2 à 3 semaines avant la chirurgie et bien sûr 1 à 2 mois après la chirurgie. Donc, il a arrêté de fumer et on a voulu faire une greffe verticale. Donc, pour faire une greffe guidée verticale, il y avait plusieurs critères à respecter. Si un de ces critères n'était pas très bien respecté, la greffe verticale ne marche jamais. Donc, premièrement, les incisions. Donc, les incisions doivent être très éloignées de la région à greffer. Donc, dedans au moins en mésial. Et dedans, au moins en distal, il fallait disséquer le nerf mentonnier. On ne pouvait pas laisser tout ça. Il fallait le disséquer pour pouvoir avoir une élasticité des tissus vestibulaires. Il fallait préparer le lit recevant avec des petites perforations pour pouvoir augmenter un petit peu le saignement. Il fallait libérer le lambeau lingual pour pouvoir fermer le lambeau lingual sur la greffe qu'on a créée. Donc c'est très 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 important cette étape-là et elle est très précise à faire parce qu'il y a beaucoup de nerfs, il y a beaucoup de vaisseaux à ce niveau-là. Donc et il fallait utiliser de l'os bovin, surtout de la même région parce qu'on a déjà ouvert la région parce que lorsqu'on devait mettre ici, il devait être au moins à 50-50, donc 50% d'os autogène et 50% d'os bovin. La membrane devait être plus ou moins stabilisée en lingual au début, puis stabilisée en vestibulaire. Donc, une stabilisation linguale et vestibulaire est vraiment, c'est très difficile de faire. Donc, comme vous pouvez voir ici, le lambeau lingual, ça c'était juste au moment de on a déjà ouvert le lambeau, donc avant de libérer le lambeau lingual. Donc le lambeau lingual, ici, je le libère avec la partie non travaillante de la lame de bistouri. Donc il faut être très, très, très précis pour ne pas avoir de problème. Donc en fin de libération, il faut que le lambeau lingual se déplace au moins de 10 à 15 mm en coronaire. OK? La chose la plus difficile à faire, c'est de stabiliser la membrane du côté lingual. C'est vraiment très, très, très difficile à faire. Et c'est une chirurgie qui demande 6 mains stériles. Donc, pas 4 mains, mais 6 mains stériles. Imaginez le nombre de mains donc, il fallait une main pour récliner la langue, une autre pour écarter la joue. Une main pour faire une aspiration, une main pour pouvoir tenir cet instrument, pour pouvoir et une autre main pour le mallet, donc le maillet. Donc il fallait 6 mains. Donc on a commencé le cas par des incisions, deux incisions verticales, comme vous pouvez voir, dedans en avant, donc médial, et dedans en arrière. Une incision au niveau de la crête. Donc, ça, c'était le lambeau lingual avant la passivation de ce lambeau. Donc, comme vous pouvez voir, il pouvait aller 6 mm en occlusal ou en coronaire. OK. Au moment de la libération de ce lambeau lingual, imaginez maintenant, il peut aller jusqu'à plus que 17 mm. OK. Et même plus. On a nettoyé bien, donc on a enlevé tous les tissus mous qui existaient à ce niveau-là. On a utilisé le bone scraper pour pouvoir collecter l'os. Il y avait un implant qu'on a essayé de sauver parce qu'il y avait au début 4 implants. Cet implant-là, on a vu qu'on avait de l'os à ce niveau-là, coronaire, on avait une perte osseuse
apical, qui est due aussi à l'infection qui a été déjà établie. J'ai essayé de nettoyer là et de faire une greffe osseuse tout en le laissant et en contrôlant ça quand on va rentrer de nouveau. Donc, ça, c'est lorsqu'il a été préparé juste avant la mise en place du greffon. Ça, c'est la membrane qu'on utilise. C'est une membrane non résorbable renforcée en titane. Ça, c'est le mélange osseux à 50-50 qu'on a utilisé. Donc, au début, on fixe la membrane en linguale, on met le greffon osseux, on fixe la membrane en vestibulaire, et puis on continue à mettre de l'os sous la membrane. Ça s'appelle la sausage technique, c'est la technique des saucisses. Okay? Donc, on continue à combler de l'os sous la membrane. Donc, le tout est fermé hermétiquement, donc c'est une combinaison de suture en matelassier horizontal et des sutures séparées. Donc, ça c'est donc on a attendu 9 mois, ok. Et voyez là, l'os qu'on a gagné plus ou moins. Si vous vous souvenez, l'os il était en bas là, ok, avant de faire la greffe osseuse verticale. Donc 9 mois plus tard, on est rentré. Et ça c'est la région où on a fait la greffe osseuse. Ça, c'est l'implant qu'on a essayé de sauver, mais qui n'a pas marché. Donc, il fallait l'enlever. Donc, on a enlevé la membrane et les vis de fixation. Et ça, c'est les tissus, l'os qu'on a gagné. Vous voyez l'épaisseur osseuse qu'on a gagnée et la hauteur osseuse. Il y avait un petit peu de tissu mou au niveau de la crête occlusale qu'on a enlevé. Et on a enlevé l'os, l'implant qui ne marchait pas là. Et on a poser un implant plus lingual à ce niveau-là, on a fait une greffe osseuse de nouveau et on a posé 3 implants postérieurs en position idéale. Donc ça, c'était les 4 implants qu'on a posés. Donc ça, c'était la situation de début. Ça, c'est après la perte osseuse. Ça, c'est après la greffe osseuse. Et c'est, disons, le résultat final. Je ne sais pas si je l'ai ici. De toute façon, pour conclure, je voudrais vous dire seulement que le traitement des échecs implantaires et des greffes osseuses prend beaucoup de temps. Donc, il faut entre 1 et 2 ans pour compléter un traitement. Ça doit se faire en plusieurs étages et c'est un traitement qui est plus ou moins traumatique pour le patient. Et donc, la fonction et l'esthétique après, sont toujours inférieurs que si le traitement a été fait de la bonne manière dès le début. Donc, j'espère que j'étais plus ou moins clair en vous expliquant tous ces traitements et j'espère que vous avez passé un bon temps, de bons moments. Et si quelqu'un voudrait me contacter, vous pouvez faire ça sur Facebook, ça c'est mon nom, Naji Aboud, ou sur Instagram, Docteur.